Il y a 3 pages. Hein. Allez, hop, drapeau multicolore, let's go. Vous souhaitez peindre le drapeau blanc divisé en 3 sections représentées ci-dessous. Vous disposez de 3 couleurs de peinture. Il est impossible d'avoir 2 sections adjacentes à la même couleur. Chaque section doit être unie. Et vous ne pouvez pas changer le nombre ou la taille des sections, sachant qu'enfin, il est interdit de mélanger les peintures. Combien de combinaisons de couleurs existe-t-il? Bah, 3. Ah bah non! Et voilà. Alors là, je sèche. Ben un alors. Y a qu'une dispo. Mais attends. Bleu, rouge, vert. Vert, bleu, rouge. Bleu, vert, rouge. Rouge, vert, bleu. Pas 6. Attends. 3 fois. 1 fois 3. 3 fois 3, 9. 9. Et voilà. Je schlingue hein, aujourd'hui. Hein. Ce n'était pas ça. Je suis un schlingueur. Hein. Il y en a qu'un. Et voilà. C'est pas un trix. Ce n'était pas ça. On va relire. Vous souhaitez que peindre le drapeau blanc divisé en 3 sections représentées ci-dessous. Vous disposez de couleurs de peinture. Il est impossible de savoir 2 sections adjacentes de la même couleur. Chaque section doit être unie et vous ne pouvez pas changer le nombre ou la taille des sections. Sachant qu'enfin, il est interdit de mélanger la peinture. Combien de combinaisons de couleurs existe-t-il? Alors, attends. Donc, techniquement... Ça, c'est dur en calcul. Je suis nul en calcul. Ah. 4 x 4. Ça fait 32, non? Non, ça fait 16. 4 x 4, 16, pardon. C'est 4 x 8 qui fait 32. 16? Voilà ma réponse. Je crois que je me suis trompé. Oui, mais on a que des énigmes dures là. Hein. Je suis désolé. Hein. Moi, je trouve ça dur. Hein. Fois 4 42 non 36 pardon 9 fois 4 36 voyons si c'est bon. Ouais, c'est ça. Trop facile. C'est compliqué cette histoire. Quick mass hein. Adieu déchirant. Il est parfois si difficile de regarder partir les gens qu'on aime. Combien d'adieux déchirants ont lieu sur les quais d'une gare? L'image ci-dessous représente un homme et une femme qui se font des adieux poignants. Cependant, un petit détail irréaliste se cache dans cette scène émouvante. Trouvez ce détail et entourez-le. Donc là, il y a quelque chose qui va pas.
C'est pas le conducteur du train, ça? Ah, c'est possible. Ça? Et voilà. Mais... Oh, mais c'est abstrait, là, hein. Là, c'est que de l'abstrait, hein. Attends, mais... La lune, je sais pas, la lune. Voyons si c'est bon. Oups, ce n'était pas ça. C'est quoi le tricks là? Le chien? Ce n'était pas ça. Attends. La dame là? Et voilà. Mais putain, mais... Alors, le gamin avec le sac énorme. Non, c'est pas un gamin, c'est un adulte, je crois. C'est un nain. Il est petit, quoi. Lui, pour de vrai. Et voilà. Oups, ce n'était pas ça. Observez bien l'image, mais quoi? Pour toi, c'est le conducteur du train. Ouais, mais on va pas l'entourer. Ces pompes? Il y a des pompes bizarres? Voyons si c'est bon. C'est pas ça. Et putain, mais c'est quoi? Ce n'était pas ça. C'est allumé alors qu'il neige? Mais ça... Oups, ce n'était pas ça. Mais... Quel est l'âge du capitaine? Putain, mais... À l'ombre des berceaux qui suivent pas le lampadaire. Attends. C'est vrai? C'est ça? Attends. Non, c'est pas ça. Oh putain. Et voilà. Trop facile. La vitre. Oh la vitre. C'était la vitre. Ah, j'ai une pièce. Ça fait plaisir. Allez, retour. Le village de Dropstone a été fondé il y a 50 ans. Pour célébrer l'événement, les villageois ont fait construire un monument commémoratif. Hélas, le sculpteur a commis une erreur et a gravé la mauvaise date sur le mémorial. À force de réflexion, les villageois ont trouvé le moyen de corriger l'erreur. L'artiste étourdi, en transformant le monument d'une certaine manière. Ils sont parvenus à corriger le problème. Devinez en quoi le monument a pu être transformé. Et retrouver la date exacte, jour et mois de la fondation de Dropstone. Répondez en 4 chiffres.
Et voilà ma réponse. Non. Ok. Non mais je pense. Eh attendez. On ne peut pas gagner à tous les. Des fois c'est un peu con. Il a inversé le 0 et le 8. Le 8-12. Voyons si ma théorie est la bonne. Eh bien, on ne peut pas gagner à 12-80. Non, non, mais le but, c'est pas de trouver la date, l'année. Le but, c'est de trouver le jour et le mois. Mais en fait, je pense que ça a été bougé. Attends. D'accord. Donc c'est le 18-02. Et voilà ma réponse. C'est trop dur! Bien. Nous pouvons écarter cette théorie. Mais j'ai le cerveau en compote. Oui, je suis confiant. Ouais, j'avoue que j'ai. Putain, mais il y a des. En fait, c'est voilà bizarre, une les énigmes fort intéressantes. Attends, j'ai regardé la soluce parce que là, je. Là, la logique m'échappe. 13-08. Pourquoi 13? Pourquoi? Bon, il sort d'où le 3? Non, mais la solution c'est 13-08, mais d'où il sort le 3? Là, je vois pas. Hein. Voyons si ma théorie est la bonne. Toute énigme a une solution. Non, ok, elle est bien. Elle est bien, c'est juste que je suis con. Non, non, elle est bien. C'est le reflet dans l'eau. Putain, elle est bien, c'est juste que je suis... C'est juste que je suis con. Pour ta pomme. Parce que le 1 il ressemble à rien du coup, et un peu. Ouais. Johnny et Thomas ont tous les deux quelques pommes dans leur sac. Si Johnny donnait une des pommes à Thomas, les deux hommes auraient le même nombre de pommes. A l'inverse, si Thomas donnait deux de ses pommes à Johnny, celui-ci aurait trois fois plus de pommes que Thomas. Pouvez-vous deviner combien de pommes chacun des deux hommes possède? Bien sûr. Avec ça.
Bah c'est 4 et 6. Voilà. J'ai deviné. Voyons si ma théorie est la bonne. Pas ça. Tiens donc. Mince. Une énigme fort intéressante. Mon bolo. Dans l'autre sens. Ah, c'est 6 et 4. Ah merde. Ah oui. Putain, je suis con. Et voilà ma réponse. C'est pas ça. C'est pas ça quand même. Donc bon. Allez hop. Allez, j'ai vendu. De toute façon, c'est pas ça. Attendez. On va utiliser du papier. Si Thomas donne 2 de ses pommes à Johnny, celui-ci en aurait 3 fois plus de pommes que Thomas. Donc X. X plus 2 égale. X. X fois 3. Donc 3 fois. Donc attends. Donc imaginons qu'il en ait 2 et que l'autre il en ait 4. C'est 2 et 4. Non. Si, si. C'est 2 et 4. Et voilà ma réponse. Bien. Oh, ça y est, mon cerveau est parti. Nous pouvons écarter cette théorie. Ah, c'est 4 et 2 ? Peut-être que je me suis trompé. Ouais. Et voilà ma réponse. Ah, attends. Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. Attends. Je relis l'énoncé. Si Johnny donnait une de ses pommes à Thomas, les deux hommes auraient... Alors, une. Ah, une. Putain, ok. Je pensais qu'il lui en donnait deux. Donc, 3 et 4. Non. 4 et 3. Donc il lui en donne une, il y aurait 4-4. Mais c'est 4 et 3. Pourquoi c'est pas 4 et 3? Regarde. Johnny l'en donne une à Thomas. Ah oui, effectivement, oui. Bah, 5 et 4. Six et cinq. Non, 6 et 4. Ça fait x3. Un et 3. Non, 1 c'est pas possible. 2 et 4. Non, c'est pas possible. Attends.
6 et 4. Non. 3 et 4. 2 et 4. Non, c'est pas logique. Putain, je réfléchis. Hein. Attends. C'est 4. Oh non, je l'ai déjà dit, c'est 6 et 4. C'est 7 et 5. Voyons si ma théorie est la bonne. Ah ah, tout à fait remarquable. 7 et 5. Beau travail. Johnny a 7 pommes et Thomas en a 5. En effet, si Johnny donnait une de ses pommes à Thomas, il en aurait tous les deux 6. De plus, si Thomas décidait de donner 2 de ses pommes à Johnny, celui-ci en aurait 9 au total, soit 3 fois plus que Thomas, puisque celui-ci n'en aurait alors plus que 3. Ok, c'est bon. Ouh, ça, c'était chaud. Hein. J'ai l'impression d'être complètement abruti. Hein. En jouant à ce jeu. Aïe, aïe, aïe. Alors... Jasmine souhaite emballer poliment cette fleur, joliment cette fleur, pour l'offrir à un de ses amis. Comment doit-elle commencer l'emballage de cette fleur afin d'obtenir le même résultat que sur le dessin de gauche? Comme ça. Voyons si ma théorie est la bonne. Tiens donc, voilà une énigme fort intéressante. Comme ça. Oui, je suis confiant. Bien. Mais mince ! Écarter cette théorie. Attends. Arrêtons d'être cons. Comme ça. Voyons si ma théorie est la bonne. Tiens donc, voilà une énigme fort intéressante. Ah, vas-y. Vas-y, je schlingue. Mais là, c'était aucun. C'était ça le truc. Et voilà ma réponse. Tout est clair désormais. Oh, le schlingueur. Hein. Ferais-moi passer pour un con. Oh, j'ai eu une fleur. D'un arbre à l'autre. Bon, allez, vas-y, on va essayer de réfléchir. Attention, j'active le cerveau. Massage. C'est bon. Une rangée d'arbres borde cette petite route de campagne. Ces arbres sont tous placés d'une certaine distance les uns des autres. Des 5 arbres de A à E présents dans cette rangée, quels sont les 2 arbres séparés par la plus grande distance? Observez l'image attentivement et tracez une ligne entre eux, les lettres des 2 arbres que vous avez choisis. Quoi? Bah... Attends, c'est que ça doit pas être ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais attendez! Mais là, c'était rincé, là! Mais qu'est-ce que... Mais le jeu, il alterne entre énigme hardcore et truc nul à chier. 4 maisons A, B, C et D
toutes de couleurs différentes, sont situées dans le quartier représenté ci-dessous. Rétablissez la couleur de chaque maison à partir des informations suivantes. La maison rouge est plus proche de l'arbre que la maison bleue. La maison jaune est plus proche du lac que la maison verte. La maison verte est plus proche des lignes électriques que la bleue. Oui. La maison D est jaune, bleue ou verte. Changez la couleur de chaque maison en la touchant à l'aide du stylet. Quoi ? C'est ça ? Je suis confiant. Oui. Oui, c'est ça, oui. Tout est mis à une solution. Ok. Bonne réponse. Il est impossible de résoudre ce genre d'énigme sans étudier attentivement les conditions de départ. Ok. C'est bon, mon cerveau est revenu, je crois. Transhumance. Ça ne veut rien dire. Oh. Vous avez 4 chevaux galopant, tous à des allures différentes. Pour voyager d'un point A au point B, il faut respectivement à chacun de ses chevaux 1, 2, 4 ou 6 heures. Un jour, vous décidez de déplacer tous vos chevaux du point A au point B. Toutefois, vous ne pouvez déplacer que 2 chevaux à la fois, et vous devez amener un cheval avec vous à chaque fois que vous retournez au point A. Sachant que vous voyagez toujours à la vitesse du cheval le plus lent qui vous accompagne, combien d'heures vous faut-il au minimum pour déplacer tous les chevaux ? Minimum. Bah 10. 11, 12, 13 heures à peu près. Ouais, 13 ou 14, attends. 10. Une heure de retour. Donc 11, 12, 13, ouais 14. Ouais, j'aurais dit pareil. 14 du coup, j'ai oublié de calculer le retour. Voyons si c'est bon. Je crois que je me suis trompé. Attends. C'est l'énoncé. A chaque fois que t'as l'impression de trouver que c'est pas bon, c'est que c'est l'énoncé. Vous avez 4 chevaux galopant tous à des allures différentes pour voyager du point A au point B. Il faut respectivement à chacun de ces chevaux 1, 2 et 4. 1, 2, 4 et 6 heures. Un jour, vous décidez de déplacer tous vos chevaux du point A au point B. Toutefois, vous ne pouvez déplacer que 2 chevaux à la fois, et vous devez emmener un cheval avec vous à chaque fois. Bah 10 heures, putain, je suis trop con. Attends. 6. Ah non, attends. Donc 6. Six. 7. 8, 9. Il faut 9 heures. Voyons si c'est bon. Oups, ce n'était pas ça. Pourquoi il faut pas 9 heures ? Il faut 10 heures, c'est ça ? 6, 7, 8, 9. Pourquoi 3 allées ? Bah 10.
Non, attends. La 11. 6. 7. 8, 9, 10. 11, 12, 13. 13. Voyons si c'est bon. Ouais. Ouais, on en a rajouté un en trop. Je suis le digne apprenti du professeur. D'abord déplacer les chevaux qui mettent une et deux heures à faire le trajet, puis revenir avec le cheval qui ne met qu'une heure. Puis amener les chevaux qui mènent 4 et 6 heures au point B, puis revenir au point A avec le cheval qui voyage en 2 heures. À cet instant, le voyage a déjà duré 11 heures, et au total vous êtes alors au point A avec les chevaux qui mettent une et deux heures, emmenez-les au point B afin de revenir, de finir votre tâche en 13 heures. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai calculé.